Et bonjour à toutes et à tous, ici Néron Gaming pour le deuxième épisode de Utopia. Alors c'est vrai que j'avais complètement zappé de dire le titre de la série sur le dernier épisode, mais bon, comme vous l'avez vu sur la miniature, ce sera Utopia. Alors aujourd'hui, ça va être nos premières machines que je vais faire, donc je vais d'abord commencer par vous faire un petit tour du propriétaire rapidement pour montrer où est-ce que je vais m'installer. Alors c'est voilà, alors toute la zone fera partie de ma base principale. Ici j'y construirai ma maison dans cet emplacement. Ici on a Astrid la sorcière, coucou, voilà, ça c'est pour le mode witchery qu'on verra. Ah, j'espère qu'on pourra voir. Et puis bah sinon c'est grand, c'est très grand. Alors ici il y a une petite crevasse que j'ai déjà explorée un peu. Ici c'est pareil. Alors faut vous imaginer que ici avant il y avait que des sapins. C'était mais rempli de sapins. C'était assez dense en sapin, on voyait pas grand chose. Maintenant qu'il n'y a plus rien, je trouve ça super génial. Si c'est pareil là, il faut vous imaginer. C'est moi qui l'ai creusé comme ça. Je me suis arrêté à partir d'une certaine hauteur, mais sinon tout le reste, c'est moi qui l'ai creusé. Alors donc aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait voir les premières machines. Alors pour commencer. Donc ça va être du Thermal Expansion, donc deux Steam Dynamo, ça c'est bien, des Fluid Duck, ça c'est génial, ça on en a pas besoin. Alors un Aqueous Accumulator, un Redstone Furnace, un Pulverizer, et si je vais oublier encore quelque chose, ouais, du charbon, parce que sinon sans charbon, enfin, ça tourne pas. Voilà, voilà. Et après on va pouvoir commencer à tout mettre là-dedans. Peut-être le faire aussi. Le petit coffre. Allez. Merci. Allez, merci. Oups. Merci à vous. Alors donc, deux petits coffres. Là ça sera pour pouvoir stocker toute notre minerai qu'on va raffiner, qu'on va sortir de là. Ah, yes. Donc le seul point d'eau qui est valable, c'est celui qui est là-bas. Alors si vous vous souvenez bien, il faut donc pour la Aqueous Accumulator que ce soit entouré d'eau. Donc il faut au minimum deux blocs d'eau, sinon il a un peu de mal à produire. Donc pour commencer, bon, le pulverizer, le redstone, la chaos, voilà, allez merci. Ah, hop, le chaos accumulator, tu viens ici, tu te charges, c'est parfait. Hop, on va commencer. Non. Le pulverizer, le redstone, hops, hops, ouais j'en aurai plus de poil, et voilà, ça se charge en eau, c'est parfait. Le Aqueous Accumulator, il ne reste plus qu'à alimenter tout ça. Merci. Ouais, c'est normal parce qu'il charge ça en premier. Ah, ces petits top bonheurs. Allez. Maintenant, le petit coffre. J'ai dû m'en faire encore un autre. La petite chauve-souris tourne un petit peu plus vite.
Allez, merci. Envole-toi. Alors aujourd'hui, on va aussi aller voir le Nether parce que, comme vous avez pu l'entendre, il y a pas mal de poulets ici, donc ça fait que j'ai pas mal d'œufs. Et donc j'aimerais pouvoir me faire une petite usine à poulets en attendant d'avoir les trucs un petit peu mieux. Voilà, j'ai déjà des seaux de lave. J'ai un piston, deux pistons même. J'ai de la redstone, j'ai du bois, mais la seule chose qui me manque, c'est du quartz pour pouvoir faire les comparateurs. C'est pour ça qu'il me faut, faudra qu'on aille dans le Nether. Allez, on va commencer. Voilà, il y a le rite, pourquoi pas. Là, il y a le rite, ensuite tu vas me prendre le copper. Le silver, c'est bien aussi. Le ferrous, bien sûr. Minerai d'osmium. Allez, hop. Et je pense que je vais me faire quand même deux derniers coffres. Allez, s'il te plaît, merci. Transforme-moi tout, ça sera plus simple. Et surtout, une table marchande. Enfin, une table marchande, une table de craft. Voilà. La table de craft, ça sera pour si jamais j'ai un petit peu trop de minerais et qu'il faudrait le condenser en bloc. Ça sera plus simple, je pense. Voilà. Oups. Merci. Et voilà. Vas-y, paye ton ta perte de temps. Alors oui, vous avez peut-être dû remarquer dans mon inventaire, j'ai ça. Voilà. La piocache, ce qu'on appelle aussi la pickaxe. La pickaxe de qu'on peut voir sur Feed the Beast. C'est trois outils en un. Donc, il y a. Absolument. Non, tu veux pas me montrer. Un mécanisme. Je vous montrerai rapidement le craft. Voilà. Non, tu veux pas. Oh, punaise. Voilà une. Voilà, donc. C'est une pioche, une hache et une pelle. Avec deux sticks. Donc c'est trois outils en un. Ça permet de gagner un peu de place. Donc plutôt que d'avoir une pioche, une pelle et une hache, on a tout en une seule fois. C'est quand même assez sympa. Voilà. Moi ce que je voulais c'était que tu commences par la yellowite. Ok. Pourquoi tu veux pas? Ah mais oui. Ah mais oui, c'est vrai. Il faut c'est un entonnoir. Bah, le deuxième coffre, hein, tu vas venir avec moi. Il va en falloir un, il va me falloir du fer. Vas-y, paye ta perte de temps. Paye ta perte de temps. C'est génial. Fer, j'en ai là. Et... Si, j'en ai d'autres. Bon, j'aurais pu l'alimenter en attendant. Faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci. Je vais pas t'en demander plus. Alors, pour l'entonnoir, c'est comme ça avec 1 et un deuxième, s'il te plaît. Allez, allez. Merci. Hops, et paye ton entonnoir. J'en profite pour ramener tout le reste avec moi. Tout ce qui n'a pas encore été raffiné. Et voilà. Comme ça, il ne me restera plus que tout mettre dans le coffre. Je savais bien que j'ai oublié un truc.
J'ai oublié le coffre. Merci. Alors, on va aller dans le Nether après, une fois que j'aurai commencé à mettre ça en route. Histoire aussi de voir si ça, si tout marche bien. Si l'entonnoir est là. Allez, s'il te plaît, merci. 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 Et je voulais commencer par la yellowite. Ok, bon, bah, il ne fait que la cuire. Ok, bon, on va pas pouvoir avoir de la poudre de lion. De yellowite alors. Ça marche. C'est bon à savoir. Est-ce que l'osmium ça marche tant qu'à faire? On va faire les tests tout de suite. Là, l'osmium. Ouais, l'osmium marche. Ok, bon, on va tout de suite charger ça là-dedans. Faut peut-être aussi que je le règle. Alors, la configuration, s'il te plaît. Voilà. La sortie à droite. Toi, tu récupères à gauche. C'est parfait. Tu m'en donnes bien deux à chaque fois. Il m'en donne deux à chaque fois. Ok, c'est parfait. L'aluminium, le tin, le fer, le lead, le silver, le copper, oops, le tin, le silver, le ferrous, le copper. Bon, ça, je verrai bien plus tard. Merci à toi. Oups, donc ça je te ferai cuire plus tard, toi. Puis voilà, bah c'est déjà pas mal, on est bien parti là. Déjà 21, c'est bien. Ça va vite, allez. Allez, merci. Ouais, il aime tout seul, allez, c'est comme ça, j'ai pas à m'en charger. Pas besoin de revenir tout de suite. Allez. Qu'est-ce que j'ai à manger? J'ai des blueberries. Le 9, tu parles là-haut. Allez, une orange. Une coconut. Voilà, c'est ça ce que je voulais. Voilà, donc ça va venir dans mon inventaire, s'il te plaît, ici. Toi tu vas retourner là-haut, je verrai plus tard ce que je ferai de nous. Ça reste avec moi, ça va ici. Alors j'en profite pour ranger les rapidement mon inventaire. Non, je vais déposer le lumière, n'est-ce pas? Pas faire un aller-retour rien que pour ça. Le seau d'eau, j'en ai pas besoin, voilà. Et on est parti. Voilà, pour le Nether, alors. Merci. Ah, yep, c'est parti pour le Nether. Qu'est-ce que ça nous dit le Nether? Chargement du terrain. Merci. Alors au moins comme ça vous voyez que je suis pas encore arrivé à le Nether. Ouais, paye ton infini. Waouh, toujours le lac quand on rentre ici. Bon, au moins on n'est pas là-haut comme d'habitude. Bon. Ouais, cool. Parce
toujours aussi beau le Nether, j'aime bien le Nether. C'est dangereux mais j'aime bien. Non, il y en a pas. Bon. Alors on va aller faire ça, ah, voilà. À peine commencer, c'est bon, on en a déjà. Ouais. Du quartz, du quartz. Mais juste ce qu'il me faut. Voilà. Des gentils pigman. Du quartz, de la lave, il y a tout ce qu'il faut dans le désert pour bien se plaire. Ah, c'est joli. Oups, la nitro creeper, on va éviter de s'en approcher. Ah, voilà, du quartz, du quartz, du quartz. Je sais qu'il y a un nitro creeper, donc... Voilà. Hop, on va en profiter pour récupérer de la glowstone. Et avec les mods que j'ai rajoutés, je crois qu'il y a des nouveaux... des nouveaux trucs. Des nouvelles ressources dans le Nether. Comparé à l'Attack of the Beatim de... je veux dire classique. Ok. Mais c'est quoi ? Ça c'est du gravier, ça change rien. Hop. Ça je crois qu'il m'en va falloir. Donc on peut... donc j'en profite pour... en récupérer de suite. Ouais, ça va, en plus qu'il y a de nouveau. Ah, ici ça crame, mais c'est comme d'habitude. Bois de buisson du Nether. Ouais. Alors ça, ça y était avant. Les berries du Nether. Ouais, je vais en prendre. Ouais, du Nether. Ah mince. Ah punaise, ouais, c'est ça, il y a une différence. Voilà, ça faut pas y toucher. Ça faut pas y toucher. Ça non plus, ça non plus. Ça on peut y toucher. Ouais, ça on y touche pas. Ça on y touche. Ouais, ça on peut y toucher. Pas touché. Oui, pas touché non plus. Ok, ok. C'est quoi là? Bon, les berries du Nether, vas-y bien. Et je vais en profiter aussi pour récupérer des champignons. Des rouges aussi, merci. Parce que je vais pouvoir faire la... comme j'avais fait dans les précédents épisodes, le bioréacteur. Mais je crois qu'il me manquait les champignons pour ça. Voilà, donc là, je les ai. On profite en même temps, donc on visite rapidement. Donc le quartz je l'ai. On va pas passer non plus 3 ou 4 épisodes dans le Nether. Un petit tour rapide et puis je pense qu'on ira plus en détail après vraiment visiter le Nether. Je me demande si c'est de l'eau ça. Ça faut pas trop s'en approcher. Voilà, donc mon portail il est là-bas. Miam miam. On en profite pour manger un petit coup. Voilà, voilà. J'ai envie de faire un petit dernier tour quand même pour voir si je trouve pas. Oui, c'est bien le lag. J'ai cru que c'était un creeper. Maxi Creeper. Ah. Allez, on se retourne à l'envoyeur, s'il te plaît. Ouais.
C'est génial ça. Non, Nitro Creeper, c'est mort. Je veux pas te faire de bisous. Non, je veux pas un ghast, moi, je veux ma chauve-souris. L'avantage c'est que ça vole et nous je reste toujours dans les airs. Bon, il a l'air d'être quand même pas trop mal le Nether ici. Je pense qu'on en fera un... un meilleur tour la prochaine fois là. Ce que je voulais vraiment c'était vous montrer un peu l'avancement. Là, le portail est là. Mais par contre, ce qui est toujours aussi chiant dans le Nether, c'est qu'on se perd très 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 facile. Allez hop. On retourne de l'autre côté. J'ai pris ce que je voulais, un peu de bluestone, un peu de quartz. Ah, du quartz, ça c'est ce que je voulais surtout. Merci. Du quartz, des verrues du Nether. Des champignons, une arme de ghast, ça c'est optionnel, c'était bien. Mais le quartz surtout, du bon quartz et de la chlore. Voilà. Merci. Je sais qu'il me faut de la roche pour pouvoir faire les comparateurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8. Merci. Tu te mets à cuire, toi. Alors, pour les comparateurs, il me faut aussi ces deux-là. Redstone, voilà, redstone, redstone. Les planches. Nice. Allez, merci. Voilà, alors, pour faire le répéteur. Une torche ici, une torche là, une torche ici. Quartz et de la roche, merci. Ça c'est pour le petit comparateur. Merci pour le répéteur. Si je me rappelle bien, ça va être redstone, torche, torche. Et ici en bas, c'est de la roche. Yes. C'est bon ça. Normalement je dois avoir du verre quelque part. Allô le verre. Je n'ai plus de verre. Non sérieux, plus de verre. On sera. Alors il va me falloir un bloc de redstone. De quoi faire la structure. Torche de redstone. Il va me falloir un arc. Est-ce que j'ai de la ficelle? Ouais, j'en ai, mais pas assez. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai d'autres. Ah, j'avais bien que j'en avais de la ficelle. Hop. Ça, c'est pour faire le dispenser. Parce qu'il faut que ça tire et non pas que ça drop. Ça tire. Voilà, il va nous falloir d'autres hoppers, si vous vous souvenez bien. Alors, les hoppers, il faut du fer. Oui, j'ai du fer ici, mais je crois que je n'ai pas assez. Qu'est-ce que tu fais là toi, viens avec moi. Alors. Coffre, merci. 1, 2, 3, 4, 5. Il va me falloir aussi ce sont des dalles. Allo oui, merci. On va mettre tout ça, tout ce dont je n'ai pas besoin pour le moment. Là-dedans. Toi, j'ai pas besoin non plus. Oups. Entrer tout ça. Ça fait propre au moins. Ça, j'en ai plus besoin.
mine, matériaux de construction. Voilà. Donc, je vais commencer à faire la machine, parce que vous devez déjà la connaître, et puis je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Et re. Alors, la machine est finie. Voilà. Donc, j'avais des œufs en surplus, je les ai foutus là-dedans. Je vais même profiter pour aller chercher des graines et les reproduire. Je profite. Hop, hop. Un petit dernier. Donc, elle a tourné un petit peu. Voilà. Bon, comme ça, j'aurai maintenant de quoi manger quasiment jusqu'à la fin de mes jours. Hop, les poulets, vous restez bien là-dedans, vous. Hop. Vous ne don't move. Voilà. Normalement, ça devra suffire à vous garder là-dedans. Voilà, voilà. Bon, allez, les gens. On va se laisser là. Je vais continuer, moi, à aller chercher, à aller miner, à aller... Puis je vais designer aussi notre prochaine... le prochain épisode. Oups, oh, des nanefs. Oh, des nanefs. Miam, miam. À designer le prochain épisode, surtout ici, parce que là, j'ai une grande... un grand espace à combler. Comment t'as fait pour monter là-haut, toi? Ok, non, en fait, non, tu t'es bloqué, hein. T'es bloqué, Astrid, hein. Oups, allez, descends. Allez. Merci. Ouais, heal, toi. Voilà. Et voilà, voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.